Parce que tranquillement, bien au bord, hein. Oui. Mais bien le doigt au bord de la raquette et oh, allez, tranquillement. Un, deux, et j'accélère. Oui, super. Allez, encore une vacière. Ouais, impeccable. Aïe, oh, il m'a cassé le genou. Bien au bord. Ah, tu m'as raté. Mets bien tes doigts au bord et on accélère. Super. 1, 2 et j'accélère. Super. Voilà, là tu l'as très bien fait. Impeccable, Vinciane.
Parce qu'il faut que je voie le bleu tourner un peu légèrement de l'autre côté, que je vois le bleu. T'as pas une grosse tête, ma grande. Mais l'autre, tu tiens le bras. Quelques fleurs pour nos épouses qui travaillent pendant que nous, on s'engueule comme des chiffonniers sur des courts de tennis. Eh bien, bon appétit les dames. Ouh, c'est bon. Ouh, je me régale. D'où l'expression se manger la laine sur le dos. Alors ce petit bébé, c'est pour quand Provence? Provence! Provence! C'est pour quand le bébé? Et on l'attend là, hein? 400 au pont de la Concorde aujourd'hui pour faire d'abord 1,8 km de natation, puis 40 km en vélo et 11 km à pied avec Alain Escoubet qui était présent. Alain, c'est à vous. Tant pis pour les petits poissons de la Seine. Les poissons étaient en train de dormir peinardement dans les eaux boueuses de la Seine quand sur le coup de 13 heures leur tomba du pont de la Concorde 30 tonnes de chair fraîche. C'était une espèce très rare de bipède du genre pingouin nommé triathlonien. Dehors de la Seine, en direction du port de Suffren, de triathlètes d'une Seine qu'ils quittaient sans regret avec un d'autres pingouins. Comment ça va pour vous? Vous êtes en retard sur ce que super. Vous aviez prévu? Encore 50 ans comme ça. Vous n'avez pas froid? C'est où le bonnet? Je suis frigorifié alors. Difficile de le dire. Le château de Versailles est retour. Elle est restée favorable aux Hollandais. Premier aller si vite que sur le chemin visité aujourd'hui. Tout ceci était déjà très en retard. Georges Delot, un coup d'œil pour la caméra. Et enfin, Serge Lecric, jeune mis sur le vélo, alors que le premier en était, lui, à la cour d'avance seulement, sur Grégoire Millet. Ah. On me dit, pour l'instant, il a à peu près 7 minutes d'avance sur le second. Ah.
sort, c'est une formalité. Formalité. Le moral joue beaucoup pour un homme de votre âge. Que 52 ans. Okay. J'ai encore 30 ans devant moi de carrière. Ça fait 82 ans. Seulement. Je débute. De la CEI. La Fédération française de triathlon nous communique les bons résultats des Français depuis Auckland en Nouvelle-Zélande. Coupe du monde, donc Ironman, 4 km de natation, 180 km de vélo et derrière un marathon en courant. Éric Plantin, le double champion de France, se classe 10e et se qualifie donc pour Hawaï, la prochaine étape. Chez les dames, la Française Mouton est 4e. La première, c'est l'Américaine Whelan. En boxe, extraordinaire exploit de Jacob. C'est qu'elle est née en 78 d'un défi d'un vétéran de la marine US qui avait perdu une course de relais contre ses cadets. Et il a voulu regrouper trois courses en une. La Waikiki Raft Water Swim, qui faisait 3,9 km de natation. L'Aaron Arabic Race, 119 km de vélo. Et le marathon d'Honolulu, 4,295. Et alors que tu nous expliquais un petit peu la naissance de ce... Ik heb alleen maar iets spijt in de rol van, hoor. Ik heb nu 3 jaar gesproken, ik heb de hele
Die vorige man vroeg het helemaal waard, dus ik heb een hele fijne tijd gehad, maar zo'n tol betalen. Nee, nee. Nous avons un invité prestigieux, puisque Eric Plantin, si je vous dis simplement qu'il a fait 12e à Hawaï, c'est-à-dire l'un des... Un garçon que nous avions aussi apprécié sur le triathlon d'Embrun, Eric Plantin, qui nous vient de Créteil, tout le monde a en souvenir cette chute. Lui avait quand même fait pratiquement toutes les preuves avec une main plâtrée. Eric Plantin donc sera là avec le dossard numéro 14, 15... Allez, c'est bien, super, super. Mission remplie. Allez, Fistec. Allez. C'est ça. Allez, Harry. Oh, Bibi, elle est belle, celle-là aussi. Elle est belle. Ça vaut les autres. Allez, fils. Bravo, Eric. Une fois et encore un. Une question à 3 euros. Qui de Beckenbauer ou d'Eric a gagné le plus d'argent sur cette pub? Eh bien, juste pour vous aider, l'un des deux roule en Porsche et le petit français y roule en Renault. À l'unanimité du jury, malgré une pâle résistance de Claude Moustachu, Bob de Borme remporte le concours de la plus belle moustache. À l'unanimité. Michel, on a la confirmation que ce soit à Saint-Clair ou à Hawaï, il faut toujours que quelqu'un me ramène chez moi. Derrière un autre là, il n'y a pas de problème.
va finir d'arriver. Allez, Vitos! Allez Philippe, allez, allez mon grand. Il n'est pas trop loin, il doit être à 4 minutes. Pas minutes, je suis d'accord. Il y a un landau. Ah bah oui. Allez, Pierre, allez. Ah non, c'est Le Pen. C'est Le Pen. Non, il a l'habitude de mourir. Il y a deux femmes devant les gens. Allez, 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 allez. Allez mon grand. Allez Stéphane, allez mon grand. Ah, merde. Oh, c'est le monde, hein. Allez, allez, Francis. Allez, Il a gagné, c'est Barrel deuxième. Barrel deuxième. Allez, Rome.
Allez, Alors, pas trop déçu. C'est conforme aux prévisions. Au nom de l'UNAI, c'est à peu près calculé, mais particulièrement belle, donc la manière y est. On a pu déceler beaucoup d'affection entre les athlètes, entre autres, tout bien, tout honneur, et le staff. Est-ce que c'était c'est exact? Il y a eu la question de la défense de la relativement pour des seniors travailler ensemble pour les athlètes. Donc, il faudra bien sûr aller de l'avant, trouver des choses nouvelles, jamais refaire d'année en année, sous peine de la thune. Jacques Le Pen et Éric Plantin. Voilà, les trois médailles seront remises par M. Jacques Laparade, qui est vraiment très fier de remettre ses médailles à Jacques, Éric et Philippe. Et tous ceux qui se penseront sur le podium. L'emporte au classement général pour la 7e fois devant son frère Mohamed. Il a couvert les 237 km en 17h44 minutes et 46 secondes. Le premier Français, Éric Plantin, se classe finalement 5e à plus de 4 heures. Une belle aventure en dehors de la course. On découvre des valeurs telles que la solidarité, l'amitié. Chez les que Manbo, premier des blousons noirs et moustaches noires, et que pour les copains, Bob Plantin est brun, c'est d'ailleurs lui qui est sur le ring en ce moment, avec Manbo, Plantin Manbo. Plusieurs enfourchements de Manbo qui est écrasé et qui se dégage. Vous voyez que ça va vite pour le moment. Plantin fait valser Manbo, essaie de l'écraser, n'y parvient pas. Il se relève en force et passe une bonne prise. Mais Manbo a porté une aussi. Attention, non, Manbo s'est dégagé. Et ils courent tous les deux. Finalement, qu'est-ce que c'est? Et Oubrio fait signe à Manbo, attention. Toujours Plantin, Manbo. Bon, ben, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir à l'Élysée direct. L'Élysée Montmartre, ce haut lieu, certains disent même ce temple du catch. Les fidèles ce soir sont nombreux et de l'ambiance, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est joyeuse. Vous allez pouvoir assister à un combat de moyen. Je ne sais pas par où l'attraper.
Voilà. Monte là-dessus, tu verras l'Élysée Montmartre, tout entier qui te contemple. La position est curieuse, inconfortable.